Les problèmes sont très clairs. Les paysans, ils vivent de leur production. S'ils n'ont pas produit, cela veut dire qu'ils n'ont pas avec quoi acheter les produits. Bon, aussi, ils sont soutenus parfois par leurs enfants, par les ressources qui sont dans les grandes villes, les petits fonctionnaires. Et ceux-ci, ils vivent les mêmes problèmes que vivent les populations. Donc, ils n'ont plus le pouvoir de soutenir les familles. C'est ça le grand problème. Parce que cette année, il n'y a pas eu assez de pluie. Parce que les gens vivent, les communautés ici vivent de l'agriculture et de l'élevage. C'est la pêche. Quand il n'y a pas, c'est ça. S'il n'y a pas d'eau, l'activité ne peut pas être. Et puis, ils sont devenus très élevés parce qu'il y a plus la nourriture manque, plus le pluie devient élevé. Voilà. Parce que la plupart des produits, c'est des produits importés. Le projet consiste à l'introduction des coq-crasseurs au niveau du village de Leboudou. Donc c'est un poulailler en deux temps, un poulailler communautaire qui est géré par 25 femmes et 10 coq-crasseurs qui ont été introduits dans le village. L'objectif est de pouvoir améliorer de manière significative la productivité de ces poulets. Ça va permettre à ces femmes d'avoir des produits locaux de race Brahma et de pouvoir ainsi le divulguer dans d'autres villages. Et les poulets seront vendus dans le marché local et ça va générer des bénéfices à ces femmes pour pouvoir permettre de réinvestir dans d'autres activités telles que la santé, l'éducation de leurs enfants. Et ça vise l'autonomie de la femme. Le coq, il a été acheté au Sénégal, distribué aux femmes et les 4 coqs sont restés au niveau du poulailler. Et tout l'encadrement dont tu proposes, c'est pour arriver à ces résultats. Et tu viens déjà vacciné et tu seras suivi. L'objectif, c'est de recueillir de la mortalité de la volaille durant cette période d'année et d'améliorer la performance de toute la volaille. Je fais sortir des œufs pour que je puisse faire des poules qui sont hors du poulailler. Donc, ça, c'est un poulailler qui est géré par. En tout cas, il y a un avantage de le bouc qui est pour vous. Salangari lantoro burgete. Bon, je pense premièrement, ça va nous apporter une reconnaissance sur le niveau technique, sur l'élevage de la volaille. Parce qu'on a fait une formation aussi. Après la formation, moi j'ai écouté la population. Ils ont dit beaucoup de nouvelles choses sur les techniques d'élevage. Et ensuite, on espère que si on applique ces techniques, on va améliorer l'élevage. Parce que les années passées, il y a des problèmes qu'on rencontre, on n'avait pas de solution. On ne peut pas soigner les poulets. Je pense, d'après les échos, d'après les informations que je reçois à partir de la population, j'ai l'espoir qu'on pourra soigner nos poulets. Et donc, si les poulets sont soignés, sont bien entretenus, on aura des œufs, parce que la chair de poulet, on pourra aussi avoir de l'argent de la vente. Mon conseil,
C'est-à-dire vous dire quel que soit vos problèmes en Espagne, vous avez moins de problèmes. Parce que vous venez de sentir votre problème. Alors que nous, depuis qu'on a été nous-mêmes, on a toujours souffert des problèmes. Donc nous, notre logique, c'est que la personne la plus puissante, qu'elle se soucie toujours de la moins puissante. Ça, c'est notre premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de nous appuyer, nous, avec... C'est pas seulement l'argent, avec l'argent qu'on peut appuyer. Avec la technique, avec l'échange. Donc, nous aider, en tout cas, à rester là. Sinon, si on vous trouve là-bas, vous serez toujours plus... Vous allez toujours sentir plus de problèmes. Parce qu'on va devenir une charge pour vous. Donc, dès maintenant, on vous demande d'encourager les projets au niveau local. C'est au moins une charge. Et deuxièmement, le développement de l'Afrique, c'est aussi le développement de l'Europe. Parce que la plupart des pays africains, ils dépendent de l'Europe. Si on appuie les pays, on appuie les pays africains, cela veut dire que l'Europe pourra souffler un peu. N'est-ce pas? C'est ça mon idée. Damay doxantou ndeke doxantou da fay in